C'est l'image qu'on a toujours souhaité pour elle. Il aura fallu deux siècles pour qu'elle soit belle. Qu'on la connaît, qu'on aime la voir voyager. De tous les temps, on a su la respecter. Et puis voilà, il y a trois ans, ce fut le drame. Un immense incendie a détruit Notre-Dame. Quel est celui qui n'a pas pleuré? Quelle misère! Ces images ont fait tout le tour de la terre. Quel calvaire! Le feu en moins d'une nuit a eu raison d'elle et a tout détruit. Belle, les flammes dansaient et montaient vers le ciel, et le monde entier n'avait Dieu que pour elle. Mais quelle émotion quand on l'a vue s'effondrer. Là, mes yeux se sont mouillés, ne plus regarder. On a vu le courage des soldats du feu. Ils se sont bien battus, ont fait de leur mieux. Même la technique et le monde moderne n'y pourront rien. L'effondrement a échappé aux Parisiens. Oh Notre-Dame, cette fois je ne crois pas qu'on y arrivera et qu'on te sauvera. C'est détruite et fermée à jamais. Renée de ses cendres, là, un écho parfait. Des artisans de l'énergie, des volontaires sont venus des quatre coins de la terre. Des charpentiers, des menuisiers, tailleurs de pierre. Des artistes, ce que je vois, c'est que cette fois encore, tu renaîtras. Des charpentiers, des menuisiers, tailleurs de pierre, des artistes, des historiens, tous volontaires. Cette fois encore, tu reviens.